bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin nouvelle vidéo, c'est la suite de la vidéo crash test où je vous teste tous les produits du calendrier de l'Avent nu, sauf qu'aujourd'hui je vous teste les produits du calendrier de l'Avent clinique. Voilà, j'espère que vous avez hâte parce que moi aussi. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous laisse aller checker mon compte Instagram où je publie toutes mes actualités tout le temps, je suis très active. Mais petite nouveauté, j'ai créé mon compte TikTok il y a une quinzaine de jours maintenant et j'ai publié pas mal de vidéos, donc c'est plutôt cool, une vingtaine je crois de TikTok. Donc allez checker mon TikTok si ça se passe juste ici. Je finis mon petit déj avec vous, hein. Aujourd'hui je vais travailler, donc pour ceux qui continuent à travailler, à la vôtre. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on va tester les produits donc du calendrier de l'Avent clinique que j'ai ouvert dans dans une vidéo. Du coup j'ouvrais les deux calendriers de l'Avent Nuxe et clinique sur la même. Et là comme la dernière fois, du coup je vais swatcher quelques produits que je ne vais pas utiliser et je vais faire un soin complet avec les produits que je vais utiliser. Donc déjà je vous le dis tout de suite, directement on va remettre les choses au clair. Cash, je vais directement utiliser la DDML. En fait, DDML, c'est Dramatically Different Moisturizing Lotion. DDML. Voilà, voilà. C'est une crème, genre, que je mets tout le temps après la douche, après les soins. Bon, là, je crois que je me suis fait piquer par un truc, mais c'est pas grave. Donc, pff, incroyable. Donc, du coup, celle-là, ça va être dans... celle que je vais tester bien évidemment, donc je la mets de côté. Je me suis attaché les cheveux histoire d'être un petit peu plus voilà, présentable et à l'aise quand je fais mes soins, voilà. J'ai chopé quelques boutons, hop, à cause des masques, hein. Évidemment, toujours ces masques, voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui! Pour Noël, donc du coup on est le 24 aujourd'hui, mais du coup je fais Noël un peu décalé cette année parce que je travaille encore, oui, messieurs, dames de l'hôtellerie, gros big up. Donc du coup je travaille encore, donc du coup je fais Noël un petit peu en décalé. J'ai prévu de vous faire deux vidéos pour Noël, donc du coup je vais vous présenter, je vais vous faire un petit peu le Noël que je vais faire. En fait je vais vous faire un vlog où je vous montre mes Noëls un peu spéciaux. J'en fais 3 mais je vous en filmerai que 2 sur 3. Et je ferai donc une vidéo où je vous montre ce que j'ai eu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et si vous avez envie de voir les vidéos. Attention, c'est parti pour le crash test clinique. Le premier produit c'était le petit shot que je savais pas du tout ce que c'était. En fait je me suis renseignée. C'est un petit... truc que tu mets sur le visage, que sur ton visage humide, et ça va mousser. Mais là j'avoue que j'ai pas hyper envie de le tester tout de suite puisque j'ai d'autres produits à tester, à vous montrer, que je connais un petit peu plus. Donc voilà, ça sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je teste ça. Ensuite on a la Moisture Surge 72 heures, donc c'est la crème auto-hydratante, hein. Franchement tout le monde la connaît, je l'ai en gros format. Franchement elle est vraiment cool. Elle est super, la texture elle est ouf. Franchement la texture de ce produit elle est ouf. Clinique déjà je préviens direct, il y a zéro odeur et ça j'adore, voilà. Ma mère utilise ces produits depuis ma toute jeune enfance, je la vois se tartiner la face avec du Clinique. Ça ne sent absolument rien. Je vous refais sentir un peu au passage. Mais ouais voilà, en gros la base. La base, ça m'a fait... Oh là là, la texture de la Moisture Surge, elle est incroyable, Moisture Surge. Ensuite, on a l'hydratant concentré super actif. Donc du coup, je pense que ça, c'est pour la tête aussi, le visage. C'est pas écrit pour quelle partie du corset quand même, hein. Donc, ok, 100% fragrance free. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parfum. Allergy tested. C'est-à-dire que c'est testé contre les... testé dermatologiquement, j'imagine. Et tac tac tac, c'est pas écrit pour quelle partie de corps c'est fait, donc je me dis que c'est pour le visage. Avec les ongles c'est compliqué d'ouvrir parce que c'est un petit... Ah voilà, j'en ai mis un petit peu, hein, histoire de voir un peu la texture. Ouh, ça c'est pas trop pour moi ça. Ça c'est très hydratant, moi j'avoue que j'ai la peau, comme je vous l'ai dit, mixte à grasse. Donc c'est pas trop pour moi les trucs hyper hydratants, hein. Moi il me faut quelque chose de plus... plus anti-comédogène en tout cas. Mais la texture est très cool. Ensuite on a la Clinique Smart Night. C'est la crème réparatrice action sur mesure nuit. Voilà, c'est tout petit. Je pense que je le testerai parce que là en fait c'est le matin pour moi, hein, même si c'est pas vraiment le matin. Mais en gros je viens de me réveiller, donc en fait pas du tout. Donc je vais pas la tester tout de suite. Allez. De toute façon ça sert à rien que je sente. Pourquoi je sens les produits cliniques? Ça ne sert à rien, il y a zéro odeur dans aucun produit. Ah ouais d'accord, c'est encore plus gras que l'autre.
Mais si c'est du sur mesure, je pense que sur le visage, ça peut être pas mal. Puisque sur mesure, en gros, ça veut dire que peu importe votre qualité de peau, c'est cool. Voilà. Hop. Texture très sympathique, à tester pour la nuit. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une night routine sur cette chaîne, parce que du coup j'ai pas mal de produits night à tester. J'ai reçu d'ailleurs récemment pas mal de petits produits d'une marque qui s'appelle Strand Cosmetics. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros c'est une personne qui vient dans l'établissement où je travaille et qui travaille chez Strand Cosmetics et qui nous a passé plein de petits produits. Regardez, j'ai la Kali Face Cream. Voilà, c'est des petits produits donc de Strand Cosmetics en fait que j'aimerais bien vous tester en vidéo parce que il y a un gommage qui est incroyable, c'est la Experience Sugar and Almond Scrub. Il est incroyable ce gommage et j'aimerais bien vous faire une vidéo full Strand Cosmetics parce que j'ai pas mal de produits à vous tester. Il y a du make-up, il y a des produits soins, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous teste des produits. Donc c'est des produits hyper test, hein. Vous voyez le packaging, il est pas ouf parce que justement c'est des produits test, c'est des produits qui viennent directement de l'usine et parce que du coup c'est des produits qu'on m'a donné voilà pour tester. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous teste ces produits en vidéo. Ensuite on a la crème, on a la mousse hydrodémaquillante et c'est en sustainable packaging, ça veut dire que c'est en packaging recyclable, voilà. On le sent hein, parce que c'est vraiment mat. Ouais donc ça va, j'ai pas mouillé mais c'est un peu mousseux quand même hein. Mais ça a l'air pas mal. Pour une mousse démaquillante ça peut être pas mal quand le visage est un petit peu humidifié. Next! On a un tout petit shot de masque hydratant nuit, donc que je vous testerai dans ma night routine si ça vous intéresse. On a le savon visage liquide doux. Voilà. Toujours avec le petit logo du Sustainable Packaging. Et on a un démaquillant pour les yeux et le visage biphasé. Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir ici, mais on a, on a les deux phases ici du produit. Donc on a le côté huileux ici sur le dessus et le côté aqueux sur the bottom. Voilà, ou c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, le côté aqueux sur le top et le côté huileux sur le bottom. Forcément c'est plus dense l'huile. Donc du coup quand on secoue, je vais vous montrer. Voilà, ça devient hyper opaque et c'est super cool. Next. Écoutez, je sais pas si je vous l'ai présenté, mais en tout cas, on a le concentré yeux hydro réparant 96 heures. Donc c'est un truc pour le contour des yeux. Mais dans le test que je vais vous faire, je vais aussi tester un petit contour des yeux. Pour finir donc du coup ce petit, je sais pas si vous voulez que je vous les swatch ou pas, mais en tout cas, c'est les produits make-up de Clinique. Donc ici, on a le blush Precious Posy. Voilà, je vais vous le swatcher vite fait, voilà un petit peu le... Voilà, voilà, donc c'est un packaging très simple, hein. Ouais, le blush est plutôt mignonnet, vous voyez un petit... Voilà, petit blush, le baume à lèvres, c'est une institution, baume à lèvres teinté chez Clinique, voilà, c'est un produit très classique de chez Clinique. On a un crayon pour les yeux... Avec une pointe très sympa, j'adore. Hop, je vais le prendre pour mon make-up du nouvel an. On a une miniature de rouge à lèvres couleur un peu bordeaux. Voilà. J'ai à peine appuyé, hein, donc je pense qu'il est très pigmenté. Et puis je sais pas si vous verrez, mais il est un peu irisé. On le voit pas ici à la caméra, mais en tout cas il est un petit peu irisé. Il est très sympathique. Et on a un mascara, donc une petite miniature de mascara. Donc c'est le mascara Lash Power Mascara de chez Clinique et la couleur Black Onyx. C'est parti, c'est le moment du crash test de ma face. Voilà, c'est parti. Est-ce que je vous montre les produits tout de suite ou après? Ou au fur et à mesure? Au fur et à mesure, ça va être plus sympathique. Allez, c'est parti, j'humidifie mon visage. Visage humidifié, check. Du coup, qu'est-ce que je vais tester en premier? Je vais tester, donc... Je voulais tester ça, mais je viens de modifier le visage. Bah, je le testerai après la crème... Ok, je vais tester la crème gommante quotidienne rinçage à l'eau. Donc du coup, c'est une crème, donc gommante. Allez, c'est parti. Du coup, pardon, j'allais rincer mon truc sans vous parler du délire.
Et bah écoutez, odeur clinique, donc du coup pas d'odeur, pas spécialement, c'est vraiment odeur de produit, voilà. Et puis franchement, les petits grains là de la crème gommante, ils sont vraiment cool, j'adore. Donc à voir après le rinçage comment ça rend, c'est parti pour le rinçage. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai le visage quand même vachement plus clair, je trouve, hein, non? Genre un peu plus... luminous. Qu'est-ce qu'on en pense? Next produit! Donc du coup maintenant je vais tester la lotion Step 2 de Clinique. Donc c'est la lotion exfoliante matin et soir Dry Combination. Voilà, c'est celle-ci. Et je vais la tester avec la petite lingette exprès que j'ai achetée à Action et que je vous ai montré dans mon haul Action Primark. Voilà, donc hop c'est parti. On va mettre un petit peu de lotion si j'arrive d'ouvrir. Elle est super bien cette lotion, hein. Franchement je l'utilise tout le temps, ma mère aussi, donc elle est vraiment cool cette petite lotion, en plus en format voyage comme ça c'est vraiment cool. Le gant il est vraiment cool. Ah oui c'est vrai, c'est la lotion qui pique les yeux. Ah je m'en souvenais plus. Ah. Ouh là là, je me souviens, c'est une lotion qui pique les yeux parce qu'elle est assez... Mais elle fait du bien en fait, on sent que c'est un truc qui fait vraiment du bien. Oh j'adore. Franchement, en plus, à appliquer avec ça, c'est trop cool. Trop, trop bien. J'adore. Avec le petit truc là. Incroyable, je kiffe. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le petit truc pour les lèvres. Voilà. C'est le soin lèvres hydro pulpant pulp. Hydro pulpant alors, hein. On va voir ça. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que j'ai la bouche... Donc voilà comment ça se présente. Franchement je pensais que ça allait être un tout petit packaging. Mais ça va en vrai hein. Franchement c'est pas dégueu hein. Ensuite je vais tester la honnêtement la DDML. Voilà la DDML c'est la base. Parce que là ça commence à me tirer au niveau de la peau. Donc DDML tout de suite. C'est la crème que j'utilise tout le temps. Moi je l'ai dans cette version là. C'est la version de Noël. Je l'ai déjà bien défoncée. Et voilà, regardez, hop. Mais c'est exactement la même chose, sauf que ça, c'est la petite version. Donc voilà, moi je l'ai en grosse. Et pour mes soins quotidiens, vraiment, vraiment, donc ça part dans la trousse de toilette directement. Voilà, le petit produit comme ça, c'est la grosse base. Allez, c'est parti pour la DDML. J'adore cette crème. De toute façon, c'est une crème... C'est une valeur sûre. Vous voulez une valeur sûre de chez Clinique, vous prenez la DDML. Au moins, vous êtes sûr de jamais vous tromper. Eh franchement le pulp lips ça va en vrai, j'ai l'impression que j'ai la bouche un petit peu plus non. Ok ensuite première fois de ma vie que je vais tester un soin pour les yeux poche et anti cerne. Je mets jamais de contour des yeux parce que j'estime que ouais voilà. Je vais voir comment ça se passe. Je sais pas trop si je dois le mettre sur la paupière aussi mais en tout cas la texture c'est super agréable. J'aime beaucoup. Avec mes grands cils là, en train de faire machine à laver sur mes cils. Franchement j'adore. Hein. Donc j'en prends vraiment très peu puisque Clinique c'est quand même des produits très concentrés. Donc j'en mets quand même très très peu. Est-ce que j'ai l'air moins fatiguée? C'est à vous de me dire. Hein. Est-ce que j'ai l'air moins fatiguée? Mais en tout cas Clinique franchement c'est des produits... Franchement je sais pas si c'est placebo. Mais le avant après, j'aime bien déjà. J'ai l'air plus réveillée déjà que tout à l'heure, non? À vous de me dire dans les commentaires. Mais en tout cas, j'adore la texture et tout, c'est vraiment cool. Et du coup, dernier petit produit Clinique, je sais, c'est déjà presque fini. Mais en vrai, c'est court comme petite vidéo, mais c'est bien pour passer le temps, je trouve. Petite vidéo comme ça de 10 minutes grand max, c'est sympathique. Surtout que je vous fais un petit crash test vraiment objectif parce que j'ai payé les produits. Je suis pas encore sous placement ni rien du tout. Donc du coup c'est trop cool. Donc là je vais vous tester la crème pour les mains, la Deep Comfort Hand and Cuticle Cream. Donc du coup c'est parti, c'est tipper, c'est partout. Et ça c'est pour la clé, c'est pour la les mains. Allez c'est nickel. Du coup les produits que je vais pas forcément utiliser et que j'ai pas forcément gardé, je vais les donner à ma mère. Donc c'est cool que je fasse ça avant mes Noël. Voilà, bon la crème pour les mains hein. J'adore cette texture, elle est trop cool. En plus avec le gel hydroalcoolique ça fait grave du bien d'avoir des petites mains hydratées. Mais j'avoue que j'ai quand même je reste sur ma rêve de miel quand même de Nuxe. Je vous laisse regarder ma vidéo où je fais le crash test des produits de la marque Nuxe.
Non, je trouve que les produits cliniques c'est la base, c'est la valeur sûre. Vous voulez des bons produits, un peu cher quand même, faut un petit investissement, mais des produits valeur sûre. Regardez, j'ai le teint beaucoup plus illuminé qu'au début de vidéo. Franchement, je trouve que ça n'a aucun rapport. Je viens de regarder, mais en vrai, j'adore. Franchement, le truc Pulp Lips, le truc. Franchement, je kiffe ces produits cliniques. Ils sont super bien. Ils sont pas hyper abordables, mais du coup, c'est normal parce que c'est de la qualité. Il n'y a pas d'odeur. Vous n'allez pas avoir d'allergie avec. C'est-à-dire que c'est pas des choses avec des parfums, de l'alcool, etc. Pas du tout. C'est vraiment full produit. En plus, ils ont lancé des nouvelles gammes. Il y a du make-up maintenant. Enfin, clinique, c'est la base. Et puis, hop, le résultat est là. Hein. On va pas se mentir que par rapport en début de vidéo, ça n'a quand même aucun rapport, mais du coup voilà, je kiffe vraiment, c'est cool. J'ai l'impression que le Pulp Lips, il a bien marché hein, parce que je parle un peu comme ça, donc franchement c'est grave cool et je kiffe, je valide, j'adore. Laissez-moi un petit commentaire, un petit like pour me dire si vous avez kiffé ce petit crash test. Précédemment, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok pour me suivre, pour voir un petit peu ma vie, ce que je fais, mon univers, etc. Mais Instagram pour mes actualités et TikTok pour rigoler un petit peu parce que je fais des trucs un peu humour, un peu sympa, des danses, etc. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et joyeux Noël!